Au fin fond des collines galloises se nichait un coquet cottage de pierre grise, entouré d'un jardinet, véritable mosaïque de légumes et de fleurs. Tout avait l'air calme et lumineux. Tout, sauf la petite fille qui jaillit soudain par la porte ouverte. On voyait tout de suite qu'elle était de mauvaise humeur. Elle tapa du pied et cria en direction de la maison. « Voilà pour vous, stupide picoreuse !» Aussitôt, une douzaine de poules apparurent, se frayant un passage à travers les buissons. « Je vous déteste ! Je vous déteste ! Je vous déteste » grommela-t-elle, pendant que les graines tombaient à terre. Puis, elle se rua à l'autre bout du jardin et se jeta par terre sous un pommier. Cette petite fille s'appelait Mary. Elle vivait, il y a environ 200 ans, à la lisière d'un petit village du pays de Galles. Sa famille était très pauvre. Ses parents, et elle aussi, devaient travailler dur pour arriver à vivre. Son père, M. Jones, était tisserand. Il restait devant son métier à tisser dans la pièce du fond, aussi longtemps qu'il faisait jour, à faire siffler la navette pour tisser du drap qu'il vendait ensuite sur le marché ou directement aux gens les plus riches des environs. Mary savait combien il travaillait dur et elle essayait de se rendre utile. Mais parfois, elle se sentait bien malheureuse. « Comment s'ennuie ? » se disait-elle en arrachant rageusement des poignées d'herbe. « Tous les jours, c'est la même chose !» Mary ne savait ni lire ni écrire, et il n'y avait pas d'école où elle aurait pu aller. Alors, tous les jours, elle devait aider sa mère à faire le ménage et s'occuper du jardin. Tous les jours, elle faisait du pain et remuait le pot-au-feu. Tous les soirs, elle raccommodait et rapiéçait leurs vêtements. En général, Mary était heureuse, mais parfois, elle en avait assez de faire et de refaire tous les jours les mêmes choses. Mais le dimanche était leur jour de repos. Le grand métier à tisser se taisait, la maison était reluisante. Le samedi, Mary et sa mère faisaient cuire assez de pain pour tenir jusqu'au lundi. Aussi, le dimanche matin, quel que soit le temps, la famille partait pour la chapelle, au-delà de la colline. Il y avait bien 3 kilomètres jusqu'au village, mais Mary avait l'habitude de marcher. Et elle savait que chaque pas la rapprochait de ses rares amis, les enfants des autres familles de la vallée. Ils criaient, se faisaient signe devant la chapelle, échangeaient des nouvelles à tue-tête jusqu'à ce que les adultes, trop tôt à leur gré, leur demandent de se calmer et d'entrer pour le culte. L'office était toujours très long. Mary aimait bien chanter les cantiques, mais son enthousiasme baissait quand le pasteur se levait pour prêcher. Le ronron de sa voix semblait durer des heures, et il était si difficile de comprendre ce qu'il disait. On aurait dit que le banc de bois devenait de plus en plus dur et Mary ne devait surtout pas s'agiter. Si elle le faisait, son père lui donnait une tape sur le genou et la regardait d'un air sévère. Pour essayer de faire passer le temps, Mary comptait les toiles d'araignée tout en haut, au plafond, ou imaginait des formes dans les ombres que projetaient les lampes. Parfois, quand le pasteur faisait une lecture dans la grosse Bible noire, elle imaginait quel effet ça ferait de savoir lire. Une fois,
beau dimanche, le pasteur déclara « J'ai une annonce extraordinaire à vous faire. Nous allons avoir une école au village. Tous les enfants pourront y aller. La nouvelle école ouvrira la semaine prochaine. » Mary n'en croyait pas ses oreilles. Et pourtant, c'était vrai. Il y aurait une école installée dans les locaux mêmes de la chapelle où un maître viendrait tout spécialement faire classe pendant 3 mois. Non seulement Mary aurait la chance d'apprendre à lire et à écrire, mais en plus, elle verrait ses amis tous les jours. Elle mourait d'impatience. Les jours se traînaient encore plus que d'habitude et les tâches que sa mère lui demandait lui semblaient plus ennuyeuses que jamais. Lorsqu'arriva le jour où Mary devait aller en classe pour la première fois, elle était tellement excitée qu'elle se réveilla alors qu'il faisait encore nuit. Elle se demandait comment ce serait de savoir lire, de déchiffrer les signes étranges qui détenaient le secret d'histoire, de lieux et de gens qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Et puis soudain, elle eut peur. Et si c'était trop difficile? Et si elle n'y arrivait pas et que les autres se moquent d'elle? Elle ressentait une boule d'inquiétude au creux de l'estomac. Elle fut bien soulagée quand l'aube se leva lentement sur les collines. Elle sauta du lit, enfila les vêtements propres qu'elle avait préparés la veille et descendit. Elle se coupa du pain et du fromage pour son déjeuner et les enveloppa soigneusement dans une serviette propre. Puis elle réveilla ses parents, leur dit au revoir et se mit en marche pour les 3 kilomètres qui la séparaient de l'école. Quand elle arriva, la plupart des enfants attendaient impatiemment devant la chapelle. Enfin, M. Ellis, le maître d'école, ouvrit la porte. Ils entrèrent tous en rang et s'assirent. Les enfants étaient tous dans la même classe, qu'ils aient 6 ou 13 ans, puisqu'aucun d'entre eux n'était jamais allé à l'école. Au fil des jours, M. Ellis commença à écrire des mots entiers au tableau. Dès qu'un enfant pouvait lire ces mots, il avait le droit de s'avancer dans la chapelle pour essayer de lire dans le seul livre qui s'y trouvait, le seul que Mary ait jamais vu, la grosse Bible où le pasteur faisait la lecture le dimanche. Mary apprenait vite et elle put bientôt lire toute une page d'un seul trait. Elle aimait lire les histoires de Jésus et les aventures de personnages qui vivaient il y a très longtemps. Un jour, sur le long chemin pour revenir de l'école, elle se demanda quel effet ça ferait d'avoir un livre à elle. Soudain, elle eut une idée. Elle courut jusqu'à la maison et se précipita vers ses parents. « C'est décidé, je vais économiser pour m'acheter une Bible à moi. » Pas de réponse. Elle regarda son père et sa mère. Au lieu d'être contents, ils avaient l'air ennuyés. « Les livres sont si chers, » soupira enfin sa mère. « Beaucoup trop chers pour des gens comme nous. Je ne voudrais pas que tu sois déçue. » « Ne te fais pas trop d'illusions, ma fille, » ajouta son père. Mary était hors d'elle. « J'y arriverai, » cria-t-elle. Même si je dois économiser pendant 20 ans. De toute façon, je sais lire. Attendez jusqu'à dimanche, et alors, vous verrez. » Elle éclata en sanglots et courut dans sa chambre. Ses parents se regardèrent avec tristesse. Un peu plus tard, ce soir-là, son père alla dans son atelier et à la lueur d'une bougie, il fabriqua une solide boîte en bois. Quand elle fut terminée, il la cacha sous son établi. Le dimanche suivant, à la chapelle,
Quelle surprise pour les parents de Mary! Le pasteur annonça: « Ce matin, notre lecture sera faite par Mary Jones. » Les joues écarlates et le cœur battant, Mary se leva et alla jusqu'au pupitre. Elle tourna soigneusement les pages du grand livre jusqu'à l'endroit que M. Ellis avait marqué pour elle. Puis elle respira profondément et se mit à lire. Au début, sa voix était un peu tremblante, mais elle s'affermit et devint plus forte à mesure qu'elle lisait le texte en gallois. Quand elle eut fini, elle retourna vite à sa place. En passant, elle jeta un coup d'œil à ses parents, rayonnant de fierté. Après l'office, de nombreuses personnes vinrent féliciter Mary d'avoir appris à lire aussi rapidement. « Comme vous devez être fière !» dit Madame Evans de la grande ferme à la mère de Mary. « Oui, bien sûr !» répondit sa mère. « Mais elle s'est mise en tête d'économiser pour s'acheter une Bible en gallois. » « Et elle le fera sûrement !» s'écria Madame Evans. « Une fillette qui a eu la volonté d'apprendre à lire aussi vite réussira sûrement dans tout ce qu'elle aura décidé. Entre-temps, qu'elle vienne à la ferme pour s'exercer à lire dans notre Bible. » Dès le samedi suivant, Mary, un peu intimidée, frappa à la grande porte de la ferme des Evans. C'était une maison bien plus vaste que celle de Mary, avec beaucoup de fenêtres et une cour immense. Madame Evans conduisit Mary dans une pièce aux meubles sombres. Ce n'est pas seulement un livre qu'il y avait, mais toute une rangée de volumes soigneusement alignés sur une étagère. Mary se demandait bien de quel livre il pouvait s'agir. Madame Evans prit la Bible et approcha une chaise. « Lis aussi longtemps que tu le voudras, ma chérie, » dit-elle. « Puis viens boire quelque chose à la cuisine avant de partir. » Mary tourna les pages avec précaution. Elle commença par les chapitres qu'elle avait déjà étudiés à l'école, suivant les mots avec son doigt. Puis elle tourna les pages pour revenir au tout début de la Bible et lut le récit du commencement du monde. Elle essaya de retenir tout ce qu'elle lisait pour le répéter à ses parents quand elle rentrerait à la maison. Au bout d'un moment, il commença à faire sombre. Mary n'osait pas demander une bougie, Madame Evans. Alors elle remit soigneusement la Bible à sa place sur l'étagère et se dirigea vers la cuisine. « Viens quand tu veux !»« Merci beaucoup !» répondit Mary en ajoutant timidement. « Ce que je voudrais surtout, c'est... « économiser pour m'acheter une Bible. » Madame Evans sourit de nouveau. « Tu verras, tes parents t'aideront sûrement, » dit-elle. De retour à la maison, Mary enleva son manteau et l'accrocha à la patère. Comme elle se dirigeait vers sa chambre, son père lui tendit quelque chose. « Nous savons, comme tu désires avoir une Bible, » dit-il. « Nous ferons tout ce que nous pourrons pour t'aider. Voici une tirelire pour y mettre tes économies. » Et il lui donna la boîte en bois qu'il avait cachée sous son établi. « Tu auras deux poules à toi et tu pourras vendre leurs œufs, » ajouta sa mère. « Et une de mes ruches sera à toi. Comme ça, tu pourras aussi vendre le miel de tes abeilles, » renchérit son père. « Oh, merci, merci !» Marie les embrassa. « Je vais me mettre à travailler sans arrêt jusqu'à ce que j'aie ma Bible. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. À cette époque, les enfants n'avaient pas d'argent de poche. Aussi, Mary devait-elle trouver un moyen de gagner de l'argent tout en continuant d'aider au travail de la maison. Quand sa mère avait des restes de laine, Mary les lui demandait pour tricoter des chaussettes qu'elle vendait au marché. Puis quand vint l'époque de la moisson, malgré son jeune âge, elle travailla chez les fermiers du voisinage. Elle aidait à lier et à empiler les gerbes de blé. Mais c'était un travail très fatigant et elle n'était payée que quelques sous par jour.
comme le tas de pièces dans sa tirelire mettait longtemps à grossir. Souvent, elle avait envie de tout abandonner et de dépenser son argent à l'achat d'une jolie robe ou de chaussures neuves. Mais elle se rappelait que chaque petite pièce ajoutée aux autres la rapprochait de la Bible dont elle rêvait. Années s'écoulèrent. Marie vit passer 6 anniversaires et 6 Noëls. Maintenant, elle avait 15 ans. Mais pendant tout ce temps, malgré ses occupations, elle n'abandonna jamais sa résolution d'avoir un jour sa Bible à elle. Vint enfin le soir où, une fois de plus, elle prit sa tirelire sur la cheminée et vida ses pièces sur la table. Elle compta et recompta par mesure de sécurité. « Maman, papa, devinez quoi, j'y suis presque. Plus que quelques sous et j'aurai assez d'argent pour m'acheter ma Bible. J'ai hâte d'être à dimanche, je vais demander au pasteur comment m'en procurer une. Comme ça, dès que j'aurai économisé ce qui manque, je serai prête. » Or, une surprise attendait Mary. Après le culte, elle attendit patiemment une occasion de parler au pasteur. « Monsieur Hugues, commença-t-elle, vous savez que j'ai économisé pour m'acheter une Bible ?» Monsieur Hugues leva la main. « Mon petit doigt m'a dit que tu avais presque assez d'argent maintenant. Aussi, quelques personnes au village sont-elles cotisées pour compléter la somme nécessaire ?» Et il lui mit dans la main un petit sac de pièces. Marie était bouleversée. Elle savait que la plupart des gens du village avaient déjà bien du mal à vivre et à ramasser quelques sous. « S'il vous plaît, remerciez-les de ma part. Maintenant, dites-moi où je peux me procurer une Bible. » Monsieur Hugues, sérieux, répondit. « Mary, l'endroit le plus proche, c'est Bala. Et c'est à environ 40 kilomètres. 13 fois le chemin que tu fais pour venir à la chapelle. « Oh, j'ai l'habitude de marcher !» dit simplement Mary. Monsieur Hugues hésita. « Mais Mary, supposons qu'il n'y ait plus de Bible quand tu arriveras. » Mary tourna vers lui ses yeux rieurs. « Je sais qu'il y en aura, » répondit-elle. Monsieur Hugues lui sourit en retour, mais au fond de lui, il se le demandait vraiment. Les parents de Mary savaient qu'il était inutile d'essayer de la dissuader d'entreprendre ce long voyage. Il avait mis si longtemps à économiser. Aussi, un matin, se leva-t-elle de bonne heure pour partir. Ils l'embrassèrent et lui firent signe de la main, priant Dieu de veiller sur elle. Mary emportait dans un linge noué du pain et du fromage pour la route. Dans sa poche pesait une bourse bien remplie, avec l'argent qu'elle avait économisé. À son épaule, elle portait un sac de cuir qu'elle avait cousu spécialement pour apporter la précieuse Bible. Et dans sa tête, elle emportait le nom et l'adresse que lui avait donné le pasteur. Il avait un ami à Bala et il avait recommandé à Mary de chercher dès son arrivée la maison de Monsieur Edwards afin que ce dernier lui vienne en aide. Au début, ce fut facile. Mary connaissait tous les chemins des environs. La journée était lumineuse, ensoleillée et Mary marchait allègrement en chantonnant. Ici et là, elle voyait des gens à la fenêtre, d'autres qui travaillaient dans les champs. Elle les saluait d'un « bonjour » en passant, mais sans s'arrêter. Elle savait qu'elle avait une très longue route à faire. Cela faisait déjà 7 heures qu'elle marchait et il y avait encore une longue distance à parcourir. Puis une horrible pensée la saisit, lui serrant la gorge.
Et s'il ne restait plus de Bible, et si toutes les Bibles imprimées en gallois à sa langue maternelle étaient vendues? Essayant de repousser cette pensée, elle continua sa marche de plus en plus pénible. Mais ses jambes étaient fatiguées, et plus d'une fois elle trébucha sur le chemin caillouteux. Des larmes jaillissant de ses yeux, tant elle était épuisée. Devant elle, le chemin se divisait. Quelle direction prendre? Ce n'était pas le moment de se tromper si elle voulait arriver à Bala avant la nuit. Mary avait peur. Elle faisait de gros efforts pour se souvenir des indications que son père lui avait données. Elle finit par choisir le chemin sinueux qui menait à une colline boisée. Enfin, elle se reposa un peu au sommet et regarda la ville de Bala qui s'étendait à ses pieds. Quelle joie! On aurait dit qu'elle avait découvert une énergie nouvelle. Elle dévala à toute allure le versant verdoyant de la colline jusqu'aux abords de la ville. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver son chemin jusqu'à la maison de M. Edwards. Quand la porte tourna sur ses gonds, elle se sentit intimidée. Les mots jaillirent d'un trait de sa bouche. S'il vous plaît, monsieur, le pasteur d'Aberginowin m'a dit que vous êtes l'un de ses amis. Je m'appelle Mary Jones et j'ai économisé pendant 6 ans pour m'acheter une Bible et il a dit « Attends une minute », répondit une voix aimable. « Entre donc et raconte-moi tout depuis le début. » Mary leva les yeux vers le visage bienveillant de M. Edwards et le suivit dans la maison. Quand il eut entendu toute l'histoire de Mary, il fut vraiment interloqué. « Et tu as fait 40 kilomètres aujourd'hui » demanda-t-il. Mary acquiesça. Elle se sentait soudain si exténuée qu'elle ne tenait presque plus debout. « Bon, d'abord il te faut un bon repas et une nuit de sommeil. Demain nous verrons comment te procurer cette Bible. » Le matin suivant, M. Edwards lui expliqua qu'il fallait aller voir M. Charles qui avait reçu de Londres un paquet de Bibles en gallois et pourrait en vendre une à Mary. « J'espère seulement qu'il en a encore », murmura M. Edwards, tandis qu'il se hâtait par les rues étroites. « Vous avez beaucoup de chance », leur dit M. Charles en souriant quand ils lui exposèrent le but de leur visite. « C'est presque la dernière ». Il sortit une Bible flambant neuve et la tendit à Mary. Celle-ci la saisit à deux mains et la contempla un long moment. Sa Bible à elle, enfin. Elle avait bien du mal à le croire. Puis elle remit à M. Charles sa bourse pleine et enfonça la Bible dans son sac de cuir. Lis-la avec soin et retiens son enseignement, lui recommanda M. Charles en faisant au revoir de la main. « Je le ferai. Merci !» cria Mary en se précipitant dans la rue. Le voyage du retour lui sembla bien plus court que celui de la veille. Mary franchit rapidement la colline, serrant son sac de cuir. Mais quand elle aperçut enfin au loin les lumières de son village, elle se sentit bien fatiguée. Son père, sa mère et tous ses amis attendaient à l'entrée du village. Mary brandit sa Bible au-dessus de sa tête. « Je l'ai ! Je l'ai » cria-t-elle. Et elle ajouta juste pour elle. « Maintenant, je peux enfin lire la Bible, la parole de Dieu. » Monsieur Charles resta assis à son bureau bien après le départ de Mary,
pensant à la jeune fille qui avait économisé pendant si longtemps et effectué une si longue marche pour se procurer une Bible dans sa langue. Les Bibles en gallois étaient rares, et quand on pouvait en trouver, elles étaient hors de prix pour la plupart des gens. Monsieur Charles décida qu'il fallait faire quelque chose. Quelques mois plus tard, à Londres, lors d'une grande réunion, Monsieur Charles monta sur l'estrade et dit « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous raconter une histoire vraie, celle d'une jeune fille appelée Mary Jones. » Tous les gens l'écoutèrent, fascinés, tandis qu'il décrivait comment Mary avait patiemment économisé son argent et avait marché jusqu'à Bala pour se procurer la Bible de ses rêves. Quand il eut fini, il y eut un long silence. Puis soudain, les gens bondirent sur leurs pieds. « Il faut imprimer plus de Bibles en gallois !» cria quelqu'un. « Et en réduire le prix !» lança quelqu'un d'autre. Puis du fond de la salle, s'éleva une voix forte. « Et pourquoi pas des Bibles dans toutes les langues ?» Et c'est ainsi que, séance tenante, fut fondée une société dont le but était d'imprimer la Bible dans toutes les langues pour tous les peuples du monde. Monsieur Charles n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, 200 ans plus tard, cette organisation, la Société biblique britannique et étrangère, serait toujours à l'œuvre, ainsi que beaucoup d'autres sociétés bibliques. Au total, la Bible ou une partie de la Bible est traduite en près de 2000 langues. Presque tous ceux qui le désirent peuvent acheter une Bible dans leur propre langue, sans avoir à économiser aussi longtemps, ni à faire une aussi longue marche que Mary Jones. »